Règle numéro 10, et celle-là, c'est ma préférée. S'obliger à faire un compliment après chaque reproche énoncé à son conjoint. Ceci afin d'annuler le reproche. Le mieux, évidemment, étant de ne pas faire de reproche du tout. Mais alors, dites, docteur, c'est quoi pour vous la dispute parfaite? Mais ne pas se disputer, dialoguer, parler, se surprendre. Ouais, mais bon, alors, moi, je sais tout de lui. Je connais toutes ses histoires par cœur. Ben, si on n'a plus les disputes, qu'est-ce qui nous reste? Mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et là est peut-être la vraie question, puisque, encore une fois, si vous ne vous aimez plus, moi, je ne peux rien pour vous. On s'aime plus! Oh là 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 là! Tu m'aimes plus, c'est ça? Mais si, bien sûr que si, enfin, pourquoi il dit ça? Mais avant, quand on se disputait, c'était génial. J'adorais ça, ma docteur, les soirées d'engalade. Parce qu'après, on finissait toujours par se réconcilier sur l'oreiller, hein? Tagada, gada, 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 un petit encas, et hop, et tagada, gada, 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 gada. On remettait ça.